がその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。Hello les amis, et voilà donc la petite nouvelle mascotte donc de la chaîne, dessinée par le très 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 talentueux Space Waver. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Donc voilà, je voulais vraiment un petit atlas en chibi, donc en version small dimension. Voilà, j'espère que ça qui vous plaît. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. Et donc c'est donc le nouveau logo de la chaîne, le nouveau logo Facebook. Effectivement, ce sera mon petit dessin pour pouvoir vous parler sans que je sois donc face cam. Voilà, bah écoutez, maintenant on va se retrouver pour les annonces cet été et du fil rouge cet été. Allez, bonne vidéo les amis. Et coucou les amis, c'est Ayolos Devi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, bah, une petite vidéo spéciale puisque c'est la vidéo fil rouge de l'été. Alors, je m'explique, qu'est-ce que ça va être cette petite vidéo? Enfin, ça, qu'est-ce qui va se passer au niveau du fil rouge de cet été? Bah, tout simplement, en fait, comme vous pouvez voir, ma pièce est en totale reconstruction. Je la fais, je la défais, je la refais. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement refaire un petit... voilà, j'ai changé quelque chose. J'ai enlevé le bureau qui était ici, qui me prenait beaucoup de place, puisque la pièce n'est pas très grande, on ne s'en rend pas toujours compte. La pièce n'est pas très grande. Et du coup, je pouvais pas faire ce que je voulais, j'avais pas beaucoup d'espace. Donc je voulais vraiment me recréer de l'espace. Donc j'ai rajouté cette petite étagère ici, avec, si vous voyez, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, il y a le Poséidon là-haut, il y a le Atlas qui est juste là. Donc du coup je suis juste en train de tout refaire. Le but étant que à la fin de l'été, tout soit fini. Ok? Et j'en profite du coup pour lancer un petit concours de l'été, puisque en fait pendant tout l'été, effectivement, je vais être à peu près à 2 vidéos par semaine. Voilà, donc il y aura une vidéo pour la pièce par semaine, voire 2 selon comment ça évolue. On peut même je pense qu'on va pouvoir faire des vidéos assez intéressantes. Je vais essayer de faire des vidéos quand même assez longues, pour les pièces ce sera travailler, mais ce sera surtout vous montrer le posing, vous montrer du coup comment j'ai placé mes figurines, notamment là j'ai beaucoup de d'étages en chantier, donc c'est très important de les finir avant de recommencer, puisque je change de travail à partir de septembre et que du moins je reste dans le même milieu, mais je ne suis plus dans le même métier exactement. Donc c'est important pour moi pour que septembre tout soit terminé. Mais l'annonce importante, c'est qu'aussi, outre ces vidéos-là, il y aura aussi 2, voire 3, alors je pense plutôt 2, parce que l'été, j'ai quand même mes enfants à m'occuper et ma famille. Deux interviews d'artistes connus dans le monde de Senseiya. Voilà, c'est prévu, c'est en cours. C'est deux personnes que j'apprécie énormément. Donc du coup voilà, on va essayer de caler ça pour essayer de faire une interview. Alors, ce sera une interview à distance, hein, je pense, dans un premier temps, voire peut-être une interview en direct, et ça ce serait super sympa. Voilà, c'est quelque chose que j'essaie de prévoir. C'est pas toujours facile avec les conditions dans lesquelles on vit en ce moment, avec le Covid, les restrictions, etc. Donc c'est pas toujours simple. Voilà, vous avez ma petite peluche qui est donc ma nouvelle mascotte, hein, la nouvelle mascotte de ma chaîne, donc ça c'est cool. Voilà. Après, autre annonce importante, donc effectivement il y en a 2, la troisième, c'est que je vais créer un concours tout l'été. Ce concours, ça va être quoi? Le but, ça va être d'atteindre au moins les 500 abonnés avant la fin de l'été. J'avais visé 1000 dans un premier temps, mais ça va être très compliqué d'avoir les 1000 abonnés, mais en tout cas au moins les 500 abonnés. L'idéal serait effectivement d'avoir 1000. Alors je suis honnête avec vous, il y aura 2 paliers. 500 abonnés, je vais offrir en fait un cadeau à l'un des abonnés choisi au hasard. Pour ça, je vais vous montrer un peu comment ça va fonctionner, hein. Je vais faire un post qui va tout décrire ce que vous devez faire, d'accord? Donc il y aura un petit cadeau pour les 500 et un très très beau cadeau pour les 1000 abonnés. Voilà,
Je vous dirai tout simplement, quand j'aurai négocié avec les personnes, ce que seront ces cadeaux. Il y aura une mise close, ça c'est sûr, il y aura une mise close. Et il y aura éventuellement quelque chose fait par un artiste. Voilà. Donc pour les 1000 abonnés, ce sera sans doute ça. Ce sera sans doute un dessin ou quelque chose d'artistique fait pour les abonnés. Et si on atteint les 500 abonnés, il y aura une mise close. Mise close, je vous donnerai effectivement ou je vous garde la surprise jusqu'au bout. Je vous dirai exactement ce que c'est. Mais ce petit concours, ça va être très simple. Ça va être de partager la chaîne, ça va être de liker, ça va être de commenter bien entendu, mais surtout de partager un maximum pour qu'on s'abonne. Alors qu'on soit bien d'accord, moi je suis pas dans le but d'avoir des abonnés pour avoir des abonnés, c'est-à-dire que je veux quand même que ce soit des passionnés qui s'abonnent à ma chaîne, hein. Pas des gens qui vont s'abonner et qui vont se désabonner derrière. L'important c'est de suivre ce que je fais et de suivre la communauté, d'accord ? Donc voilà. Ça va être ça le concours. Je suis en train de tout mettre en place là. Tout mettre en place. Mes vacances, c'est donc à partir du 24 juillet. D'accord ? Donc à partir du 24 juillet, le concours commencera jusqu'au 1er septembre. Voilà. Voilà, enfin le 1er septembre, enfin le week-end, le premier week-end de septembre. D'accord ? Donc ça, tout ça, je vais mettre en place. Ce sera donc un concours, bien sûr. Hein, je ne vous demande rien en contrepartie. Mais ce sera donc un concours aussi par rapport à la pièce. Et bien sûr, pour valider le concours, je poserai une question à la personne qui est tirée au sort pour savoir s'il me connaît vraiment. Et si on a effectivement, c'est pas juste un abonné comme ça, mais un vrai abonné qui est fan de Saint Seiya, et ça c'est super important. Voilà les amis, écoutez, j'espère que vous avez aimé tout ça. Il y a eu quand même pas mal de choses cette vidéo. Vous avez vu que j'ai donc un nouveau logo et un nouveau dessin fait par Space Weaver. Vous avez vu aussi que j'avais donc ma petite vidéo d'abonnement faite par le pauvre fou. Merci Oli, merci Space Weaver, merci les amis. Et mon générique, toujours fait par David Desforges. Merci David. Vous savez que je m'entoure des meilleurs. et je suis pas loin de m'entourer des meilleurs. Donc ça me fait très 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 plaisir. Et voilà, j'espère que l'interview du premier artiste, j'y tiens beaucoup. J'espère qu'elle va se faire. Alors celle-ci sera sur un autre à distance. Mais par contre, la deuxième sera sans doute donc en physique. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances. Et sinon, un bon week-end qui va se profiler bientôt. Je vous dis à très bientôt pour la première partie de la pièce. Puisqu'il y aura pas mal de petits changements super sympas. J'espère que ça va vous plaire ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis en plein réflexion de comment je vais tourner les choses. Donc, y a pas mal de choses qui peuvent changer. Mais je pense qu'on va rester sur une disposition avec... une table au milieu avec de quoi s'asseoir pour que je puisse monter mes mise close. Le but c'est que mes vitrines restent disponibles, que je puisse sortir les vitrines comme je veux, ce que je ne pouvais pas faire jusqu'à maintenant parce que c'était trop petit. Les amis, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez me suivre et que ça va vous plaire de me suivre. Je pense que ça va être quand même quelque chose qui va être en 3, 4 vidéos, voire 5 vidéos quand même. Donc mais on discutera ensemble, on essaiera de faire des lives si on peut. Et le but effectivement c'est que ce concours, je récompense de deux beaux cadeaux vous qui me suivez. Parce que on fait ça avant tout par passion. Vous le savez très bien que en me connaissant un peu, c'est la passion qui me guide. Mais écoutez, j'espère que ça vous plaît cette petite initiative de ma part. Et je vous dis à très très bientôt. C'était Ayolos Devi. Et un peu Atlas aussi, et on vous dit à très bientôt.